Bonsoir. Tiens, tiens. Quel bon mot t'amène chez moi? Il y a besoin d'aide. Tu nous as trahi en quittant. Je ne vais pas te parler. Pour que tu puisses écouter, il va falloir que tu te battes. Je savais que ce moment allait arriver. Tu te souviens de moi quand je te disais qu'elle était cassée en deux. Et ce moment est arrivé. Ah bah vous riez du homme. Je savais que ce moment allait arriver. Tu te souviens de moi quand je te disais qu'elle était cassée en deux. Et ce moment est arrivé. Ah bah vous riez du homme. Oh, c'est bon, ça suffit là. Tu sais ce que tu m'as donné un rendez-vous et puis tu perds ton temps là-bas, c'est pourquoi? Mais j'étais tout près là-bas. Ça ne veut rien dire. Ok, laisse tomber. S'il te plaît, lève ta tête quand je te parle. Bon, il t'a rien dit. Oh. J'ai vu Dani avec son soi-disant de Marie-Claude là. Tu as vu ce que le directeur a fait? Il courait derrière un chien quand tu t'es poussé son nom. S'il était là, j'allais trop te moquer. Waouh! Donc de soulever la lune pour venir te donner comme récompense pour cette information stupide que tu viens de me donner. Aïe, on commence. Tout ce qui concerne Dani et sa bonne ne m'intéresse pas. Tu es malade. C'est pas parce que je suis venue te donner l'information. Cette information stupide là quoi. Tu penses que quoi même? Tu as pu supprimer quelqu'un ici. Mais parce qu'elle te laisse prendre le dessus quoi. Regarde comment tu parles d'une gamine de 5 ans. Gamine de 5 ans mais plus mature que des gens comme toi. Je vois que tu commences à pousser des ailes maintenant. Oui, ça te dérange. Je te laisse aujourd'hui. Faut regarder Dan et Marie-Claude, ils peuvent marcher sur moi. Non, mais ça ne va pas dans votre tête. Dans votre tête, là, il y a un boulon qui a pété. Tu as vu? Quand il te dit que Dan et Marie-Claude ne peuvent pas marcher sur le directeur, tu pensais qu'elle montait. Non, dans cette doute-là, ça ne va pas. Allons la vie. Ah bien fait le placard. Non, tu vois pas de la manière qu'elle marchait de loin, dès qu'elle a pris hors de ses pieds. Ça va qu'on peut battre, tu es câble. Non, elle recherche son cerveau dans la rue, tu vois ça. Tu es calme, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on l'a jamais vu comme ça.
Mon problème, ce n'est pas de votre âge. Partez jouer au dîner. Laissez-moi passer. Ma chérie, attends. Parle, qu'est-ce qui se passe? Encore vous. Je répète, mon problème n'est pas de votre âge. Laissez-moi passer. Ok. Pour une première fois, laissez notre gueule de côté. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je sais ce qui se passe, c'est Dan. Comment tu le sais? Je sais tout. Comme tu sais tout, explique-moi. On veut que tu expliques. Je voudrais te demander quelque chose. Je voudrais qu'on soit amis. Moi, être amie avec toi. Est-ce que tu ne dois pas aller? On comprend ta situation, c'est que tu souffres. Mais fais-nous confiance, le choix t'appartient.